Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une recette toute simple de pommes de terre nouvelles sautées avec du pesto de roquette et du saumon fumé. Donc pour les ingrédients on a besoin de pommes de terre nouvelles, donc celles qui sont un peu grosses on va les couper en deux pour avoir une cuisson homogène, de la roquette, une gousse d'ail, du parmesan râpé, des lamelles de saumon fumé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre noir. On va commencer la préparation donc par la cuisson des pommes de terre dans de l'eau bouillante salée. Donc moi je les ai faites cuire environ 10 minutes, mais après ça dépendra de la variété de pommes de terre. Ensuite, dans un mixeur, on va déposer les feuilles de roquette. On ajoute la gousse d'ail, un petit peu de sel et un tout petit peu de poivre noir, facultatif, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on mixe le tout pendant environ 1 minute. On dépose notre préparation dans un petit bol. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, donc environ une cuillère à soupe, ainsi que le parmesan. On mélange le tout et voilà, notre pesto est prêt. Dans une poêle, on va verser une cuillère à soupe d'huile d'olive et ensuite on va y plonger nos pommes de terre. On ajoute un petit peu de sel et de poivre noir et ensuite on va régulièrement les retourner pour pouvoir les dorer de tous les côtés. Une fois les pommes de terre bien dorées, on va les déposer dans une assiette. On ajoute le pesto de roquette précédemment préparé. On mélange bien. Et enfin, on va ajouter donc les lamelles de saumon fumé. Et voilà, la préparation est terminée. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi.